principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Donc ma vie prêche et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que soko lingaki motifo ça a 5 ans. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tounassi qui disait que, qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout, et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, ce n'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je ne pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « Wow !» Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman, c'était une sœur. Je n'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a données et ses enfants qu'elle t'a donnés. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique, c'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous, maman Blanche, prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois, pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier très bien. Je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi, en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidée dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant un an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non, en même pas 6 mois, ma chérie, y a ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femme, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux, mais n'oublions pas notre propre destinée, n'oublions pas notre propre parcours, parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois, et ce n'est pas un péché, et c'est comme ça, la vie elle continue. Donc quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous, et ce n'est pas ce qu'il y a à faire au fait, c'est normal qu'il va se remarier, mais sitôt, le dire comme ça, moi, ça m'a choquée.